Bonjour à tous. Aujourd'hui, une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle leçon. La leçon numéro 5, le petit peuple, air et feu. Rencontre avec les sylphes ou les elfes, rencontre avec les salamandres ou les dragons. Devoir, décrivez vos rencontres avec les élémentaux, l'air et du feu. Chapitre 1, rencontre avec les sylphes ou les elfes. Bonjour à tout le monde. Donc, et bienvenue en fait dans notre formation avancée. Aujourd'hui, on va continuer d'apprendre et rencontrer les entités du monde intermédiaire. On va continuer et terminer ce chapitre. On va rencontrer donc les entités de l'air et du feu. J'espère que la dernière fois, vous avez rencontré en fait toutes les entités des éléments que l'on a vus ensemble dans les leçons. On me pose souvent la question pourquoi on rencontre certains esprits très facilement et pas d'autres. Il faut savoir que quelque chose d'important, on l'a vu précédemment, nous sommes tous faits des éléments. En nous, il y a toujours un élément prédominant et un autre élément qu'on utilise le moins, bien que les autres. En fait, c'est la même règle ici. Si par exemple l'élément de l'eau est en défaillance en vous, il se peut que vous aurez du mal à rencontrer les ondines ou une autre entité d'un autre élément. L'idée ici et de travailler plus profondément avec les entités d'un élément avec lequel vous avez plus de mal. Cela va augmenter la présence de cet élément en vous. L'élément qui est le plus présent en vous, vous n'avez aucun problème pour rencontrer cette entité-là. Tout à l'heure, on va travailler sur l'élément feu. C'est difficile pour la plupart des gens de rencontrer l'élément de feu. Peut-être que vous, pour vous, ce sera facile, hein, donc ça ne va pas poser de problème car cet élément est prédominant en vous. Après, on va voir les entités de l'air qui nous intéressent le plus qu'on va rencontrer, ce sont les elfes et les sylphes, les fées aussi. Alors pour les fées, les elfes, il existe une centaine de différences, ce sont des peuples très variés. Il y a aussi les dragons de l'air, donc il existe beaucoup d'entités de l'air. On va rencontrer les elfes ou les sylphes, c'est à vous de voir. Les fées, on les verra plus tard quand on va travailler avec les plantes et les pierres en faisant cette méthode. Vous pourrez aussi les rencontrer. Les elfes, les sylphes, ce sont des êtres responsables de la créativité, les paroles, les chiffres, le commerce, le travail mental, le calcul, la projection, planification. Un projet analytique, la créativité, la musique, la danse, le chant, comme offrande, les entités de l'air veulent quelque chose de créatif, chanter, danser, etc. Alors, où faut-il aller pour rencontrer les entités de l'air? Pour les rencontrer, les elfes, il faut aller dans une forêt vaste, essayer de chercher les elfes qui peuvent vous apporter la connaissance sur tout l'élément air. Ce sont des êtres qui sont dépourvus de sentiments, d'émotions. Ils sont tout ce qui est la créativité. Les entités telles que les sylphes, on va les trouver là où le vent souffle. On va les trouver en pleine dans les vallées. Aller au sommet d'une colline ou un espace ouvert, ils sont de grande taille et ils aiment le contact avec les humains. Aucun problème, leur poser toutes les questions sur la créativité, la parole, les chiffres, le commerce, le mental, les calculs, la projection, la planification. Un projet analytique, la créativité, la musique, danse, chant. Cela ne va pas poser de problème s'il existe les hommes et les femmes chez ces entités-là. Alors je vous demande de faire ce travail, essayez de voir d'abord qui vous voulez voir, de préférence les elfes ou les sylphes. La différence, les sylphes sont plus pour la créativité, les elfes sont analytiques, sont plus analytiques, réalisation et réflexion, etc. Donc c'est à vous de voir, vous choisissez ou vous faites les deux. Je vous souhaite de faire un très bon voyage et on se retrouve dans la vidéo suivante pour travailler avec l'élément feu. À tout de suite. Merci.